Hey, salut les gamers, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Alors non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de Donkey Kong sur Super NES. Alors vous devez sûrement vous demander pourquoi, qu'est-ce que ça fait là sur la chaîne de la Zombie Factory, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle nous fait Lady? Eh bien tout simplement, le mois d'octobre c'était le mois de mon anniversaire, donc ça me rendait un petit peu nostalgique, je repensais à ma carrière de gameuse, aux jeux qui m'ont donné envie de geeker à fond, et ça a commencé voilà sur ce type de jeu étant toute petite. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite partir. Et ceux que ça intéresse, bah, j'espère simplement que je vais vous apporter à vous aussi un peu de nostalgie, de très bons souvenirs. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires s'il y a des jeux que j'ai pas pensé à citer mais qui ont marqué la vôtre d'enfance. Donc voilà, c'était Donkey Kong sur Super NES. Et toujours sur Super NES, il y avait aussi les Tortues Ninja. Donc c'était à l'époque du dessin animé du même nom et mon préféré personnellement c'était Donatello, donc le violet avec le bâton. Pour ceux qui ont connu, vous vous souviendrez sûrement d'April et de son camion jaune, de Raffaello, la tortue au bandeau bleu, bref. Je vais donc continuer avec cette saga, une saga que tout le monde connaît, la saga des Super Mario, ici Super Mario Bros. Je pense qu'on est encore sur Super NES. Et ça a donné naissance à une série qui perdure encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc là on est sur Nintendo avec Super Mario All-Stars, l'un des préférés de ma jeunesse. Donc une saga à laquelle je joue encore à l'heure d'aujourd'hui, je l'avoue, sur Nintendo DS. Mais bon, c'est immuable, les Mario, la musique, les dessins, les couleurs, c'est quelque chose qui marchera, je pense, éternellement. Et on arrive au jeu Lethal Weapon, tiré du film du même nom, à savoir L'Arme Fatale. Donc vous pouvez incarner les deux personnages, un jeu qui a particulièrement marqué mon enfance, puisque j'y jouais énormément avec mon frère. On a beaucoup ragé sur les plateformes interminables. Voilà, c'était un jeu assez énervant. Si vous aviez le malheur de rater une échelle, une plateforme, fallait tout recommencer depuis le début. Il y avait des personnages, des adversaires avec des réactions aussi vives que celles d'une moule. Bref, c'était pas le meilleur jeu, mais c'était un jeu qui m'a laissé de très très bons souvenirs. Et un autre jeu qui a énormément marqué mon enfance pour les mêmes raisons, faut savoir que je jouais énormément avec mon frère, que c'est lui qui m'a donné la passion du jeu vidéo. Il s'agit de Jurassic Park. Alors c'était surtout la musique qui était vraiment plaisante, parce que les dinosaures, il faut l'avouer, n'avaient pas vraiment d'intelligence et n'étaient pas vraiment très rapides. Mon frère qui est toujours un geek d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui, puisque lui il collectionne toutes les consoles, je crois qu'il a à peu près tout, et il a énormément de jeux en stock. Donc voilà, je pense que si un jour j'ai l'occasion, bah, je me referai peut-être un petit gameplay sur ces jeux-là. Et au passage, on voit ici un extrait de Spyro, un jeu que beaucoup de personnes vont connaître, garçons comme filles, ceux en tout cas qui sont des années 80 et quelques. Voilà, parce que bah, c'est le dragon mythique Spyro, il n'y a rien à dire là-dessus. Ah, et tout de suite, on va parler du petit chéri de ma jeunesse, j'ai nommé Crash Bandicoot. Et là, je pense que ça va vous faire sourire. Ce personnage, il est tellement attachant, tellement particulier, tellement magique, je sais pas, c'est Crash, quoi. Cette atmosphère tellement différente qui me laisse un très très bon souvenir. Et je pense d'ailleurs que ça vous parlera si je vous dis, est-ce que vous vous rappelez des moments de rage lorsque vous étiez à deux doigts de finir un parcours et qu'il y avait un obstacle qui se dressait au milieu de votre route et qui vous faisait tout rater et recommencer jusqu'au dernier checkpoint? Ça, c'est le truc le pire de Crash Bandicoot. Enfin voilà, une saga qui a très bien marché et qui s'est perpétuée avec Crash Team Racing, les Mario Kart, tous ces jeux qui sont un peu dans le même état d'esprit. Et après, on arrive au jeu d'énigmes, de réflexion, de quête, de mystère. On est sur PlayStation 1 et on est en compagnie de Prince of Persia, je crois le premier du nom. Et c'était, voilà, les décors étaient assez dégueulasses. Là, on est sur du Tomb Raider. Je comprends pas qu'à l'époque, ça marchait aussi bien. Voilà, c'est assez cubique, assez un peu crade, limite. Mais bon, pour l'époque, c'était suffisant. Et c'est vrai que c'était les premiers jeux de réflexion. Et c'est ça qui nous a kiffé, je pense, pour tous ceux qui ont accroché à ces sagas. Et ça, c'est du Gran Turismo, le cinquième opus, si je ne me trompe pas. C'est surtout le jeu du cœur, de longues, longues heures à jouer avec ma frangine et mon frangin, à se pousser dans les virages. Ça, c'était vraiment juste parce que ça me rappelle de très, très bons souvenirs. Je suis pas une grande fan des jeux de voiture. Ah, ce Final Fantasy qui était pour moi le meilleur, tout simplement parce que je suis nana, c'est mon côté meuf. Et voilà, c'était le plus travaillé au niveau du scénario romance. Rappelez-vous de Squad, Linoa et Dea. Enfin bref, j'espère que ça vous parle. En tout cas, si vous le connaissez pas, franchement, vous ratez quelque chose. Et enfin, ma découverte du mode zombie, entre guillemets, mes premiers jeux d'horreur, de survie, de monstres. Et là, si ça vous parle, eh bien vous reconnaîtrez Resident Evil 4, si vous vous souvenez, avec Chris Redfield. Et j'ai terminé ma carrière de jeunette
sur GTA 4. Je pense que ça a été le dernier jeu de mon enfance. Après, il y a eu une grosse pause parce que j'ai dû faire mes études, etc. Mais voilà, GTA 4, de très bons souvenirs, notamment en multi à l'aéroport avec les lance-roquettes. Et je pense que ça parlera à tout le monde. Voilà, je vous ai fait un bref détour des jeux de mon enfance. Je vous invite à faire la même chose, donc pas forcément sur vidéo si vous pouvez pas, si vous n'avez pas les moyens. Mais par commentaire, parlez-moi des jeux qui ont marqué votre enfance, de tout ce qui vous a fait kiffer. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a fait plaisir, si ça vous a rappelé de bons souvenirs, si ça vous a mis un petit peu, pas la larme à l'œil, mais voilà, une petite émotion. Donc voilà, je vous laisse me laisser des petits commentaires. J'espère que ça vous a fait plaisir et désolé pour le gros hors-sujet pour ceux qui n'ont pas aimé. Bah écoutez, j'espère que la prochaine vidéo sur le zombie ou sur Ghost ou je ne sais pas encore, bah j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker. Bye !